Ouais, OD, nous sommes sur Elden Ring. J'ai fait des trucs hors VOD, tiens. Fallait être là en live. Hein. On est à Selid ou Kaelid. Je viens de manger un superbe gâteau. Est-ce que le son du jeu est fort ou pas fort ou mi-fort? Il est pas fort là, hein? Ah, quoi. Ça suffit, non? Alors, il y a un dogo là-bas et fallait que je parle au PNJ qui est derrière. Mais il est un peu balèze le dogo, donc on va faire attention. Ouais, je vais mettre un chouïa plus fort. Voilà, j'ai mis un chouïa plus fort. Sais pas ce que je fais dans mon inventaire. Indé. Le son est bien pour moi. Merci beaucoup, Bika. Voilà, quelqu'un qui me répond. Voilà, on a Jay qui fait une émote. On a mon modo qui dit mi fort, pas fort, mi fort derrière. Voilà, ils m'aident beaucoup. Je demande si le son est bien. Voilà. Et Bika qui arrive qui dit oui, le son est bien. Merci, Bika, de montrer l'exemple. C'est officiel. Merci. C'est Lox la meilleure. Merci, Vendis aussi, de montrer l'exemple. Le son est bien pour moi. Merci, MacIver. Mais toi, je savais que tu m'aiderais, toi. Voilà, on voit les teams différentes. La team des futurs motos et la team des anciens, des nouveaux, des futurs ex-modos plutôt. Cordialement. Le son est correct. Bon, attendez, je vais faire un truc, mais je sais plus du tout. Voilà, on va reparler à ce PNJ parce qu'il m'avait demandé d'aller parler à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est cette personne? Non, ça c'est un marchand. Ben, demandé de parler à quelqu'un et je ne sais plus qui est cette personne. Mais il y a un gros chien qui bloque. Donc on va essayer. Ouais, qui bosse. Ah, c'est un peu fort, je pense, en vrai. Je t'ai éclaté. Ah, je vais mourir. Non, c'est bon. Oh non, il a esquivé. He's ok. Ça, c'est vrai que ma flèche, elle est super forte, quoi. Oh, je suis choquée. Alors, je vais reparler au PNJ. Parce que je sais plus du tout ce qu'il m'avait demandé. J'ai pas le son. Vendis. Je parle en même temps, donc on sait pas. Oui, mais je vais toujours parler en même temps. Donc si le son du jeu, il couvre trop ma voix, et ben voilà, c'est pas bien. Et si au contraire, quand je parle, vous entendez rien du tout du son du jeu, bon, y a pas de musique. Donc c'est plutôt ça qui est un bon indicateur. C'est quoi le reste de ma fin? Eh ben, c'est bien, pas bien. Enfin, ça, voilà. Oh, je sais plus, débrouillez-vous, le... Ah! J'ai trouvé l'aiguille d'or pur, comme promis. Les détails secrets de Celia dans ces lignes. Ah! Venez, c'est pour vous. Mais c'est vrai qu'il faut parler plein de fois au PNJ. Secret de Celia. Merci. Ben voilà. Maintenant, inspectons cette aiguille. Ma foi, c'est une vraie merveille. L'œuvre d'un véritable artisan, méticuleux et audacieux, pour qui l'essence même de la vie n'a aucun secret. Accordez-moi un moment, voulez-vous? Non? Bien conçue soit-elle, elle ne serait guérie-t-il dans cet état. Mais c'est quoi l'aiguille? Oh, j'ai pas fait ça. Oh, que si tu l'as fait. Si bien conçu soit-elle, n'est guère utile dans cet état. Oh, peut-être que je revienne le voir, parce que là, on dirait qu'il répare l'aiguille. Moi, je dis plus rien, je suis un futur ex-modo. Je vais passer le temps qui me reste en ban gratos. Ah, ban gratos, quel enfoiré. T'as pas fait ça? Ah oui, le PNJ, tu veux dire? Eh ben, faut lui parler. Bon, et ben il va remettre une aiguille en état pour qu'elle me soit utile. Je ne sais pas du tout à quoi. Mais on va avancer. Voilà, en Kaelid. Et puis il va falloir que je retourne à la cité souterraine là. Enfin, ça plus tard. Hein. Ah, t'es moins foufou hein, quand je t'éclate. Ça disparaît une fois que je passe. Non, je suis pas impressionné. Ah si, ça disparaît. Il est malin. Ce jeu, il est putain de malin. Bon. Moi, j'ai mis un point là. Un point là, je sais plus. Oh oui, c'est vrai. Il y avait lui. Ah. Oui, je
je me rappelle, faut que je le défonce. Oh, celui-là il m'énerve trop, faut que je le défonce. Ah ouais, je me rappelle. Oh ah mais non, mais je fais start par réflexe, mais c'est pas un vrai start dans ce jeu. Bonsoir Blaka. Ah mais Blaka, mais oui, mais c'est le même. Ah non, c'est pas le même compte. Il y a Bika et Blaka, c'est ça? D'appeler viewer pour faire un tuyau. Excusez-moi, j'ai bugué sur le pseudo de deux viewers qui se ressemblent. Enfin, pas ils se ressemblent, les pseudos. Désolé. Objet rename. À l'instant? Je suis rapide. Oui, parce que je t'appelle Bika et ça t'énerve. Je comprends. Je peux monter, mais je peux pas monter là. Attendez, on va pouvoir monter. Oh non, faut que je fasse un truc là. Faut que je fasse un truc. Je vais pas laisser me latter la gueule comme ça sans réagir. Enfin, j'ai pu ramasser un truc que j'ai pas fait. J'ai un truc à ramasser ici. Ah, mon... Bon, d'accord. Courage, Lux. Merci, merci. Ah, j'ai le cafard, mais non, j'ai le scarabée. Un scarabée, enfin. Regardez, il est beau. Il est beau, mon casque. Oh putain, je me calme. Je vois que c'est un scarabée, c'est pas un cafard. Enfin. Enfin, zut. Oh la vache. Comment je passe, moi? Comment je passe? J'ai un sort pour voler. Oh, il s'est calmé. Je peux pas passer, hein. Je vois pas comment. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il puisse comme ça me latter la gueule sans que je puisse faire quoi que ce soit. Faut que je le tue de loin, sinon. Et après, je trouve un moyen de passer. Je peux le tuer à distance. Ah, j'ai un peu plus de portée que moi, quand même. Ah, là-bas. Là-bas, là-bas, regardez, j'ai trouvé. Qu'on se trouve. Attends. Chaque chose en son time. Là, je peux monter là? Je me colle bien à la paroi, je pense qu'il est dans la. Je pense qu'il est deg. C'est juste deg en fait. Ah non, regardez, c'est pour descendre à tous les coups ça. J'ai jamais réussi à monter avec. Faut que je monte sur. Faut que je monte dans la. Ouh. Peut-être monter par là en vrai. Bon. Arrête, c'est bon, je suis parti. Je suis tranquille. Je vais voir la map pour voir où est-ce que je peux avoir un feu pour me régène. Je veux pas. Le machin est à 12 km. Je peux quand même pas. Ah si. Oh, c'est loin. J'essaie de monter là. Voilà, ça je pense que c'est complètement le chemin prévu. Ça, c'est évident, ça. Allez! Ouais! Ok, on est là. Franchement, je suis pas loin. Hein. Franchement, je suis pas loin. C'est complètement le chemin prévu, cherchez pas. Hop, après, on va par là. Ouais, on va faire attention quand même. Ah, sinon on va comme ça. Ah! C'est que j'ai pas assez d'agilité, c'est tout. Sinon c'est le chemin prévu. Ah, faut peut-être que je monte de l'autre déco. Oh! Je crois que j'ai Pijax. Je monte de l'autre côté. Portal. Nouveau glitch, messieurs. Fais ce que je peux, hein. C'est le chemin, c'est juste que vous l'avez pas vu. Tu l'as chopé ou le casque? Et ben je m'en rappelle pas du tout. Mais il s'appelle. Je veux te renseigner dessus. J'en ai deux comme ça. Un pour la foi. Et un pour la mana.
En fait, je le prends. Enfin, au départ, je le prenais surtout pour troll, mais il me permet d'économiser sur mes castes de sorts. Et c'est le scarabée de pierre d'éclat. Et sinon, le scarabée incantatoire. Et là, du coup, ça, c'est pour les pour ceux qui utilisent la foi. Des incantations. Voilà. Réduit légèrement le coût des PC, en PC des incantations, mais augmente les dégâts subis. Pareil pour celui-là. Mais en vrai, niveau dégâts, j'ai pas vu une grosse différence. Et au niveau incantation, eh ben, c'est dit légèrement, mais c'est pas si léger que ça l'économie, je trouve. Du coup, bah, enfin incantation, de sort, caste de sort. Voilà, j'ai décidé de le prendre. Ouais, c'est bon, ça, tu m'ennuies. Je peux pas passer. Ah, ça rend dingue de pas savoir par où passer. Et là, en plein dedans. Quand même aller chercher ça. Bah oui, oui. Scarabée incantatoire et scarabée pierre d'éclat. Bah vraiment, je ne sais plus. Oh, je suis tellement loin. Ah, je peux y aller avec mon cheval? Ouais. Attendez, je rush. Parce que voilà, tous ces là. Très nombreux. Zigzag pour esquiver les sorts. Ligue de pro. J'ai pas fait zigzag, vous avez vu? Il s'est payé cher direct. Bon, bah je sais pas comment monter pour le moment. Peut-être juste que je visite normal. C'est quoi ce... Oh, c'est une grosse tête de bébé mort, de bébé géant mort. Ah, le bébé mort. Pas ramasser. Quand tu veux. Je vais passer par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, même par là, ça descend en flèche. 20 diams. Ça descend abruptement. Alors, si je retourne derrière. J'étais à cheval, le vent dans les cheveux, puis paf! J'ai pris un cafard en pleine face. Je lui ai fait un casque. On s'adapte. C'est tout. Laisse-moi tranquille. On dirait qu'ils ont pas des poils, ils ont des plumes, espèce de loser. Putain, il m'a buté mon cheval. C'est méchant. Bah oui, j'utilise une fiole. Ah, il m'a buté mon cheval. Dégoûté en fait. Alors, par contre, la tête de bébé, en vrai, j'irais bien voir. Si je passe par là. Cette cité, je l'ai pas beaucoup visitée parce qu'il disait aller... aller là-bas. En bref, il y a un truc qui me disait de partir. De pas aller... Je peux finir cette phrase, elle m'emmerde. Comprenez, c'est tout. Y'a rien qui va là. Ah, il va rien dire. Oh, j'ai tout pris dans ma gueule. Dégoûté. Je vais décéder. Je pensais pouvoir aller sur le toit et après prendre les racines. Non mais c'est... Allez, je vais arrêter d'essayer, tant pis. On va visiter plutôt au loin, tout droit devant. On a tous vécu au moins une fois en voiture, en moto. Le coup du scarabée qui devient un casque. Pas, je fais pas de moto, j'avoue. Je sais pas, je sens bien. Ok, non mais voilà, je... Sentez bien une petite issue ici. Je n'ai ni, hein. Un petit truc caché, quoi. Mais je le sentais. C'était à fond. Ouais, à mort. Voilà, je longe, comme ça il me voit pas l'autre. Je vais continuer le chemin. Oh, le piaf, je crois qu'il est horrible aussi.
Il y a un feu là-bas, non? Oui, un feu littéral. C'est-à-dire que c'est pas un feu de camp. Enfin, c'est pas un campement pour sauvegarder, c'est le feu d'un... d'un marchand. Mais autour, j'ai pas... Ah, il y a une sorte d'église. Je dois trouver un checkpoint dans le coin, en fait, pour ne pas avoir à me retaper le village si je meurs. Là-bas, peut-être? Ouais, voilà. Bien discrète. Bien ça. Il y a trop de piaf. Ils ont trop de vie, ces bâtards. Je vais aller avant à cette sorte d'église. C'est le genre d'endroit où il y a des checkpoints. On va voir. Si on en a pas, bah je me tire et puis c'est tout. Il y aura peut-être au moins une statue de respawn. Peut-être. Voilà, regardez. Oh. Quoi? Un dragon? Ouais. Vite de grâce, voilà. Là, je suis rassurée. Je peux de nouveau explorer. Qu'est-ce que c'est? Manuel d'apôtre des dragons anciens. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je suis allée dans fabriquer, je jouais pas. Je saurais pas ce que c'était. C'est un manuel qui me donne des crafts, c'est ça, des recettes. On va dire que oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Regarde, leurs têtes, elles ont toutes été coupées. Mais pourquoi? Pourquoi? Bah je m'en vais. Bah je m'en vais. Droit devant, c'est pas un pléonasme. Hein. On peut aller droit derrière. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est pas un pléonasme. C'est pas comme monter en haut, descendre en bas. Pas du tout. En fait, on peut aller droit dans n'importe quelle direction. Parce que j'ai pas dit tout droit devant, j'ai dit droit devant. Voilà. Ça fait quoi d'avoir tout le temps tort comme ça? Pardon, pardon. Je vous embête, je vous embête. On est potes. C'est quoi ce truc? Arrête! On te recule! Laisse-moi tranquille! T'étais là tout seul en fait! Je loot même pas un petit truc trop. Ok. Un peu. Regardez là-bas. Un peu pas ouf. Il y avait une entrée secrète, un truc. Il était là comme ça. T'es perdu, baby? Admirer la vue, mais c'est même pas la plus sympa. Enfin, les... voilà, ça va, mais c'est pas la plus exceptionnelle qu'on ait vue dans le jeu, quoi. Je suis là comme ça. Je suis sûr qu'il peut looter un objet intéressant, lui. Genre qu'il a un équipement sympa, parce qu'il a... il était assez équipé, ça se voyait. Et que c'est le genre de mob que certains farment pour pouvoir looter. Je le sens bien comme ça. Et peut-être je me trompe total. Ah non, mais non, il y en a un autre là. Voilà, mais ton pote il est pas là. T'arriveras pas à monter. Mais moi j'arriverai à t'éclater. Tu looterais un truc non plus? Non mais c'est bon. Vous avez perdu, vous avez perdu, soyez pas deg, looter un truc. Et moi franchement, quand je tombe dessus, je loot toutes mes runes. Alors après, si je peux, je les récupère, parce que quand même, faut pas déconner. Mais, je loot.
J'ai froid. Rune dorée. J'en ai beaucoup, hein, les runes. Comme ça, en... En exemplaire... En exemplaire utilisable. Consommable. En consommable, voilà. J'en ai beaucoup, mais je les utilise pas. Moi, j'utilise que quand... Quand j'ai besoin de compléter un niveau. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Rendori. Allez, on va voir là-bas. Oh, il y a beaucoup de bestioles sur, sur le chemin. Ça a pas tué l'autre. Ok. Step by step. Oh, il a l'air tellement vénère celui-ci. J'ajoute ça. Ah! Je voulais être discrète, c'est bien, non? Il réussit. Bon. Pas mal ce truc quand même. Il me demande full mana, mais il est pas mal. Il est correct, quoi. Puis il est lent aussi. Mais il est correct. Il est mort ? Non, non, non ! Oh, ils sont 15 ! C'est dead. Giga dead. Fait le chef. C'est coincé. Ah, c'est plus coincé. Ah non, 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 non. Merde, j'ai pris deux potions de Bobo. Je veux pas. Combien de runes? J'ai pas vu. Pas beaucoup, hein. Trop intense comme fight. Non, non, non. Ça m'a redonné des popos. Is ok. La panique. Non, c'est pas la panique. C'est... La strat. C'est une strat. Comme ça, ça m'a redonné deux popos. Discrétion, je mettrais la 1 sur 10. Dirais-moi quand j'essaie de rentrer dans la chambre et que mon copain dort. Et je fais pas de bruit. T'as réveillé. Non. Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec eux. Crée la gagne. Crée la gagne. Ou crée la gant. Ou creux la gant. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Je vais y arriver. Hein. On va attendre que les lags un petit peu s'éclatent. Hein. On va attendre qu'ils s'entrechoquent entre eux. C'est bon. Hello, bon live à toi, merci beaucoup. J'imagine que t'étais aussi sur Elden Ring et que tu vas aller te coucher. C'est le 4 à venir à toi. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Ah si, c'est très gentil, merci pour le follow. Gardien des portes et... Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. Allez, on y va. On sort du GTRP. Ah d'accord, rien à voir. Bah merci beaucoup. Je pensais que tu m'avais trouvé dans la liste des gens qui jouent à Elden parce que si on fait ça. Attends, attends. C'est quoi ça? C'est balèze. Non mais ils sont trop balèzes. Non, je m'en fous, j'ouvre la porte.
Si j'ouvre la... On fout, j'ouvre la porte. Tout va bien. Ah non, mais voilà, c'est l'oiseau avec ses cuisses là. Tu peux pas rentrer. Je m'en fous, tu peux pas rentrer, t'es trop deg et t'es trop un loser. Ah, le loser recule. Tu recules comme un loser. J'ai trouvé dans la liste des petites communes. Ah d'accord, bah merci beaucoup. T'as vu, j'ai gagné. Merci. J'irai voir ce que tu fais. Okay. Très bonne nuit. Et en fait c'est facile. Ouais, des catacombes. On va se faire éclater par des petites gargouilles pleines de ressources. Toujours un plaisir. En vrai j'aime bien parce qu'il y a toujours des petites énigmes mais c'est cool. Ah non, ça va être du squelette ici. J'ai reconnu, ça va être du squelette. Je connais trop en fait. Je connais trop le jeu. Imprenable sur le game en fait. On y attend une prochaine, ça marche. Merci. Ah ouais, j'avais dit que ce serait des squelettes. C'est des plantes. Quelle est la différence? Voilà, bon ça c'est fait. Ça va être chiant hein. Non mais j'avais pas besoin de faire autant, enfin... Là je cours, je loot, c'est ok. Ça va être que des passages comme ça. Ah mais si ça va être squelette, j'avais dit. J'avais pas dit, je demande la barre. J'avais dit. L'odeur du squelette. Je sais. Oh, j'ai froid. Faut que je me lève pour mettre le chauffage. J'ai plus envie de mettre le chauffage, on est en mai quasi quoi. Non, je vais mettre mon petit plaid. Voilà. Okay. Je fais bien ça. Hop, je mets un petit peu dans mon dos. Je mets mon petit plaid. C'est bien. J'ai mis mon petit plaid. Allez. Et ça va mieux. C'est quoi ça? Ah c'est une grosse fleur. Elle va être chiante. Je peux l'avoir d'ici non? Non, je peux pas. Elle a peu mais moi je peux pas. Ah et puis un squelette. Non mais il dit... Arrête! Merde! Ok. Ah, le petit archer qui se relève. Ah mais la plante elle se déplace, vas-y, viens un peu. Je me dépêche! Ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien du tout. Pas grave, hein, on va être patient. Et oui, les ailes du casque à bouche quand je cours, c'est pas trop cute. Regardez! Oui! Elle se décolle au père! Arrête, c'est pas bon. Non, bah je vais continuer avec mon petit sort en fait. C'est même le plus rentable. Hein. T'as fini tes bêtises, la plante? J'ai une...
Attendez, attendez, je vais crever, mais... Ah ! J'ai une nouvelle invoque. Truc de Miranda, mais j'ai pas vu. Est-ce que c'est des fleurs ? Ah, regardez. Oh, j'ai les fleurs en invoque. Ça, c'est rigolo, ça. Avec l'esprit de 5 fleurs de Miranda. Eh, franchement, je peux pas tester. Non, je peux pas. J'aime beaucoup. J'ai combien de runes ? J'en ai 19 000. En vrai, ce serait mieux que j'aille les utiliser. Il me faut combien ? Il me faut 25 000, je pense. 25 900. Et je vais attendre encore un petit peu. Arrêtez une dernière dessus, c'est chiant. Je vois rien. On va régler ça. Il va y avoir des squelettes là ici, je connais. Ah non, et puis il y a du poison. J'attends un peu, j'attends un peu. Rien visé ? Non. Regardez sur le côté. Rien. Ok. Oh, on sort rapide. Allez, on y va. Ok. Oh ! Une statue. Oh, t'es verrouillé par un mécanisme. Mais j'ai pas vu de truc qui ressemblait à un mécanisme, un truc à activer, un truc à ouvrir. Je n'ai vu que Nenny, moi. Oh non, il y avait un piège ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a la terre qui fait des proutes. D'accord. Le coup, il y en a ailleurs, des pièges comme ça. Ah non, faut que je me dépêche. Je vais remonter, alors on va retourner au début. Au tout début. Enfin, petit à petit. Voir ce que j'ai loupé, mais... J'ai rien vu, moi. Ah, ici, peut-être, j'ai pas bien fouillé. Racine, résine de racine. Ou t'es louton, hein. Ah, et puis truc d'invoque, oui, c'est vrai. Ok. On va faire un petit repos. Je vais voir ce que je peux faire, mais là, je vois pas du tout. Il me faut 5000, en gros. Un peu plus. 6000 plutôt. Et ben, on va prendre 6000. Ah, j'ai 81 comme ça, on va en utiliser. Je sais plus combien c'est. 200, je crois. Ou 2000. Ah, j'ai jeté ? Comme une connasse. Je me déteste. J'ai jeté. Ah, je fais pas attention, je vais trop vite. C'est combien ? C'est 1000. Ah non, c'est l'autre à côté. Ah, je crois que ça, c'est encore limite. Là, voilà, on pourra essayer de faire l'énigme facilement, sans pression. Ça suffira. Ah, j'ai ramassé mes runes dorées que j'avais laissé tomber. Je crois que ça les détruisait, mais ça les détruit pas. Pile ! Presque pile, en fait. Que je remets en vigueur. On m'a dit que j'avais vraiment pas beaucoup de vie.
pas, moi je trouve que j'en ai assez, non? On va mettre un point en dû. Bon, ils sont de retour, les mobs. Ne pas l'oublier. Voilà. Ça c'est géré. Alors ici, est-ce qu'il pourrait y avoir un passage, un mécanisme, un truc? J'ai l'impression. Je pense que c'est plus... Non, je sais pas en fait. Il y a un truc, mais je sais pas. Ah, peut-être ici. Ouais, si, cette salle-là, c'est une salle à mécanisme, ça. Le mécanisme, c'était pas le lampadaire. On va vérifier celui-là quand même. C'est bon. C'est checké. On a aucun risque. On va se faire la fleur. Mon gros sort, je crois qu'il sert à rien. Je vais dire là dans ce contexte. Allez! Oh non, il est tombé! Il va revive. Et il est arché en plus, ça c'est très chiant. Trop cher du coup. Ça met tellement de temps. Allez. Oh, je suis dégoûtée, je vais utiliser toutes mes popos à cause de ça. Je me mêle. J'ai été obligé d'en tourner. Et c'est trop chiant. Elle me coince, ces pétasses! Non! Les plantes, c'est vraiment des pétasses. Bon, bah faut que je retourne vite au feu. Avant de die. Mais je vois pas le mécanisme, je vois aucun mécanisme. Rien du tout, y a pas d'énigme, y a pas de truc, y a juste une porte fermée, puis c'est tout. D'habitude, y a quelque chose, y a des salles cachées, y a des trucs en endroit hauteur où t'arrives pas à accéder, un truc à actionner où tu sais pas comment y aller. Mais y a pas. Mais c'est bon le repos là, c'est censé marcher. J'étais encore maudite. Du poison en fait.
Dans des passages, hein. J'ai raté. Bon, ici, y a rien. Là, c'est clair. Oui. Ok, la suite. Les couloirs. Bon. Voilà. C'est un peu à cause de lui tout à l'heure que j'ai été ultra dans, en galère. Ah, la lumière là, est-ce qu'il faut que j'amène la plante à la lumière? Ça va être très long. D'accord, elle est très lente. Attends un peu du coup. Elle bouge pas. Non mais ça va pas être. Merci pour le prime, Redly. J'arrive pas à la viser. Vise-la, je t'en prie. Merci. Merci pour le prime. Merci beaucoup. Troisième prime. Deux ans de prime. Vas-y. Bon, ici, je suis un petit peu en galère, je dois l'avouer. Hein. Parce que je vois pas ce que je vais devoir faire. Une fois... Une fois que j'aurai retué, en fait. Ça touche pas. Ça se cogne sur la lampe. Que font ? Tu fais aucun effort aussi toi ? Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Tout va bien, calmez-vous. Oh mais tout le monde est très calme. D'accord, merci. Vise-la. Je vais attendre un peu, hein. Pas trop le choix. Faut que je trouve un moyen d'escalader, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Ou alors d'actionner un truc à l'extérieur de la crypte. Jamais vu de mécanisme encore comme ça, mais peut-être. Un peu, hein. Derrière. Compliqué, hein. Obligé d'attendre à chaque fois. Quoi? Mais attendez, pourquoi j'étais toujours en train de putréfier. Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai pas un truc contre la putréfaction là. Allez. Bon, ça marche. Mais ça compte encore? Je me tire alors. Je sais pas ce qui s'est passé.
Tu perds. Est-ce que ça va plus vite quand je roule pour descendre ? Je sais pas. J'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis taré. Bah ouais, mais le problème c'est que c'est toujours en interrogation quoi. Non bah je vais sortir et puis je vais voir si à l'extérieur il y a pas quelque chose, notamment en haut. Vu qu'on voit qu'il y a une ouverture, ça veut dire qu'il y a un toit ou peut-être on peut accéder. J'y suis allé en roulant, je voulais pas. Regardez là, ça continue. Ça continue. Pourquoi ça continue? Stop. Je suis surpris. Arrête. Pourquoi je suis en train de putréfier? Il y a aucune raison. Stop. Ah, je putréfie sans raison. Voilà, là ça monte tout seul sans raison. J'ai envie de chialer en fait. Tant pis, je vais juste essayer de voir s'il y a un mécanisme et puis basta. Mais pourquoi ça augmente alors que je fais rien? C'est insupportable! J'ai ajouté poudre de Miranda, je vais regarder ce que ça peut faire. Porte, t'as vu une porte? T'as trouvé l'axe? Ah bon? Ah oh mais oui, t'as raison! Putain, mais heureusement que tu me dis, je m'en suis même pas rendu compte, hein. Merci, hein. Quand je le fais, je m'en fous. À perdre. Non mais j'étais saoulée. Là j'étais empoisonnée sans raison, ça m'a saoulée. Empoisonnée sans raison. Effigie. L'effigie elle est juste en face. Normalement ils ok. Allez. Bon, un ennemi rapide. De toute façon, on n'a pas beaucoup de runes. On les a faites avant. On va faire les dogos. Oh, il a esquivé. C'est risqué peut-être ce truc-là. Je vais faire un petit. Ah non, il a pris super cher. Mais non, il prend trop cher. Qu'est-ce que je m'inquiète, il prend super cher, j'aurais pu le faire en first try, quoi. Non, mon adepte de la putréfaction. Oh. Mais j'ai pas fait ce truc-là avec les scolopendres, là. Bon, voilà, GG, merci. J'ai dit Naruto Nizuka, c'est ça? C'est Naruto Uzumaki. J'ai dit encore Naruto Nizuka. Désolé, hein, vraiment, je... C'est officiel, c'est l'axe la meilleure. Oh ça on le savait. Merci.
boire un petit peu d'eau pour fêter ça, parce que je suis un peu fofolle. Alors, une catacombe de fête et on a plein de cendres. Alors c'est bien. On va faire un petit dodo, enfin un petit repos avant de repartir. Voilà. Vraiment une dégaine, moi. On était où du coup? Catacombe de Kelly, j'ai pas trop fait bah, tout ce coin là. Et là-bas, on a une cité à aller voir, on va y aller. En espérant ne pas trop se faire éclater par les oiseaux. C'est vrai qu'il y en avait un là. J'avais oublié. Je prends zéro risque, je m'en fous. Vas-y, viens! Il est trop deg! J'avoue, je cherche un peu. Ah! J'arrête de chercher! Ok. Oh non, mais ils sont trop chiants. Non, je me suis trompée. Je peux pas faire ça. Je vais faire autre chose. Je sais pas ce que je vais faire. Du coup, je suis pas allée là-bas. Allez, oui, non, je suis pas allée. Comment allez-vous, Madame Lox? Eh ben, écoute, ça va. On a. Ah, ah! Qu'est-ce que c'est? Merde! On a découvert un petit jeu un peu comme Planet Zoo juste avant. Là, on est sur Elden Ring. Et puis voilà, c'est un jeu. Un jeu feel good, comme on dit. Allez, prends ça. Ah! Vas-y, chien, attaquez-le. Ah! Ah, il m'éclate la gueule. Oh non, tu manges pas. Voilà, merci. Oh! Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Ah, j'ai cloué mon sort. Oh, désolé le cheval, je voulais pas tuer le cheval, je pensais que c'est le gars qui était encore debout. Merci le dogo, vous m'avez trop aidé, il loot rien hein, ce rapia là. Looter R. Je viens de perdre presque 20 carunes. Putain de sa race. Vraiment que j'arrête de jouer à la seconde. Je commence à faire de la merde, au lieu d'insister. Ça dépend, des fois c'est à ce moment là que tu peux avoir des sortes de... Salut vous. D'éclair de talent et de génie. Parfois. Pas souvent. Mais tu devais pas aller te coucher, toi? Est-ce que tu te lèves tôt demain? Ah! D'accord, ça marche pas. Je suis dégoûtée. Merci le loup de l'avoir tué puisqu'il m'énervait celui-ci. Je suis trompé d'épée. Ah du coup ça se fight, regardez ça se fight. Les soldats et les chiens. Et les chiens raptors. Un rage kit. Baston! Bon, allez-y, mêlez-vous à la bataille. Faites ce que vous voulez. Visez qui vous voulez, je m'en fous. Baston!
Voilà, juste tout. Ah ! Attends ! Je sais ! Bah c'est cool ! Épée quoi ! Il meurt comme un perso horrible de cartoon. Ils sont tous morts ? Non, non, là-haut encore. Ah, mais il y a une grosse baston, hein ! Regardez, regardez, comment ils sont trop vénères ! C'est trop bien, ça ! C'est bien pour nous, hein, les dogos. Voilà, est-ce qu'il y a ? Franchement, je vais y essayer. Après, ça fait des runes. Une fois qu'il y en a un qui meurt, j'ai les runes quoi. Merde. T'as tiré l'attention sur moi, c'était pas malin. Il recule, mais arrête! J'ai de les loups un peu. Ah, il ne calcule même pas. Bon allez, là je laisse. C'est bon, c'est bon. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh. Oh, c'est un bûcher de chien. Mais c'est trop horrible, d'accord, ils sont affreux, mais quand même. Les brain freeze quand je suis fatiguée. Jamais la manette, c'est pas une histoire d'amour. Le pire, j'appuie partout. C'est dans le vide au lieu de parer. Ah oui, c'est une grosse différence, ouais. Bravo. Je me suis dit, ah oui, je sais aussi où je suis. Il y a un site de grâce au fond. Ça craint rien. Le petit chemin là. J'irai au site de grâce. Dans quel monde je dis ça? T'as rien! Un monde où t'as bien raison de croire en toi et en tes rêves, mec. Alors, il y a un portail. C'est bien. Et que Kinder Country était plus petit. Mais t'as vu? Tiens, faut que je confirme. Non, non, mais j'ai même faire un Insta là-dessus. Hein. Non, mais là, on suit. L'affaire est suivie de très près. Bien précisé. Une musique ultra flippante. Et des bruits bizarres. Ah, des gens là-haut! Non mais arrêtez, attendez, attendez, laissez-moi monter tranquille, on va discuter. En fou, c'est pas bon. Bon d'accord, je comprends, tu m'agaces. Ah d'accord. Trop deg, hein. Vous, tu sais pas remonter, nulos. Espèce des crapins, ça va. J'ai mis un coup avec mon bâton. On sort très bien, hein. Ça se passe super bien. Il est où l'autre? Il est en bas? Comment, nulos? T'as pas un peu un nulos, toi? Mort comme un loser. Ok, on y va. Les autistes. Jaloux, jaloux de quoi? Mais jaloux, de manière générale, dans la vie. Oh, la
pas, j'essaie de fuir. Ouh, 16 000, hein. Ouh, je m'attendais pas à ça, et le temps que j'ai... Ouh là là, bon. On va voir. Restons calmes, juste à côté. Mais ouh, quand même, hein. Là, ça craint un peu du boudin. Encore les récupérer, baf, je pense que je vais mourir avant, mais on va essayer. Voilà. Et voilà. Ça va, je les récupère en fait, it's ok. Bon, toi je te laisse, c'est bon. Pierre-Coff dirait, mais c'est de la merde. Non, parce que lui, je parie qu'il adore les Kinder Country. Il a du goût, le type. Voilà, je redescends. Je vais essayer de voir s'il y en a un qui vient. Génie, juste. Juste, vous pouvez dire génie. Allo dodo, à demain, bisous bisous mon clubin dark, bonne nuit. Testez Blade au fait. Testez Blade. Comme ça. Ah non, non non mais non, je vais pas tester, mais ça sert... Enfin, je t'ai testé la dernière fois le truc là pour le retrouver. Ça sert à rien parce qu'il y est pas, j'entends même pas le loup. Parce qu'il est ailleurs, parce que j'ai la quête en cours. Je sais, ça sert à rien d'y retourner encore une fois. Is ok. Faut que je fasse ma quête et je sais où il est. Actuellement, il doit être à Nikron. C'est la cité, cité souterraine. Où j'aille à la cité souterraine. Voilà, voilà, voilà. Histoire. Ah! C'est plus ou moins en tapant tout que j'ai découvert ce coffre. Flèche mordante. Ah, c'est bien. J'ai une jolie vue sur toute la pièce. Je sens pas. Un peu bas. C'est sympa. Alors, ah. D'accord, non mais d'accord, d'accord. Non mais je testais, hein. Ah, je testais, c'est tout. Je peux pas passer plus haut. Mais j'ai envie, moi. En même temps, c'est juste le toit après, donc je sais pas pourquoi je vais absolument monter, mais il y avait une échelle là. Il y avait vraiment une échelle juste pour être accroupi là-haut. C'est tout pourri en fait. Ils peuvent pas faire une vraie mezzanine les types. Tout pourri. Les gars, c'est des losers. Et là, je peux pas aller sur les côtés. Non. Bon, toi, c'est toujours en bas. Il est mort. Et il est mort d'ennui. Ah non, il est là. J'ai raté. N'importe quoi. Et vu que je suis extrêmement douée, c'est en fait comme ça que s'exprime mon talent. Oh là là, bon. Les lags arrivent après, ils étaient pas... J'en avais pas tout là-haut, je les remercie de m'avoir épargné. Est-ce que j'ai combien de runes sur moi? 17 000, c'est un peu léger encore. On prend le portail. De toute façon, on a un truc ici. Ça s'appelle comment? Viaduc infranchissable. Pouf. Je connais pas. On va prendre le portail. Château du lion rouge. C'est sympa. Je vais me retourner maintenant. J'ai vraiment aucun swag. Et en même temps, j'en ai énormément parce que tête de coléoptère. Vous entendez, il y a une musique. J'ai tenté de jouer bouclier arme contondante aussi. En fait, je préfère largement build de double katana. Et con, j'ai pas du tout les bonnes compétences. Lul. Non mais... Vraiment, tu es très indécis sur ton personnage. Mais oui, hein, les builds... Les builds.
Les builds... Je dis ça parce que ça a été dit dans le chat. Au bouclier, moi j'aime vraiment pas. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir un bon timing pour esquiver que d'avoir un bon timing pour le bouclier. Et qu'il faut quand même avoir un build un petit peu avancé pour que le bouclier soit vraiment intéressant, j'ai l'impression. That's my impression. Non, je vais tout péter. Oh, il y a une jolie musique, j'aime bien. On se croirait dans le temple, le temple du temps. Ocarina of Time. C'est quoi? En grosso modo. J'aime beaucoup, ça me donne envie de visiter moi. Je crois qu'il y a des types qui chantent. En fait quand on grimpe en level ça devient fun. Ouais. Moi ça m'emmerde. J'ai aucun timing. Moi je peux parer, sinon je passe mon temps à crever. Le timing pour parer... Enfin oui tu peux parer donc tu prends moins de dégâts, mais le timing pour faire des bons renvois il est encore plus chaud. Je demande soit que ton perso... Merci. Merci. Merci, regarde-moi cette tête de coléoptère. J'adore. Je pense que vous avez pas vu beaucoup de persos comme ça, voilà, sur le Twitch game d'Elden Ring. Franchement. Comment ça, grosso modo? Écoute, je trouve que t'as pris un peu, Infernalou. De la place. Ici, n'a petit Coraya dans son habitat naturel. Ah, je peux rien faire. Ok. Attention, il va y avoir un cinéma. C'est Blade! Chou Blade! Va? Un petit barbecue? Trop stylé! Je suis chez Blade! Merci! Parlez plus fort! Dan, le plus puissant demi-dieu! L'éclatement vous attend. Arrivez-vous au combat, vaquez le général, couvrez-vous de gloire et récupérez la rune majeure. Quoi? Blade? C'est sérieux ça? Apprête-moi! C'est là pour la guerre! Vive le festival de Radan! Au revoir, suite d'Avignon. Disais bien que je te trouverai ici. Mais non, mais c'est quoi? Il me paraît que tu es encore. Un seul morceau. Pas au courant à présent, n'est-ce pas? Le destin de Rami est maintenant un tas de stases. De quoi? Nous voulons mettre un terme à la stagnation, nous devons l'éliminer. Ça, j'ai pas compris. Nous allons affronter le demi-dieu jadis, considéré comme le plus fort parmi ses semblables. Mais je suis pas prête! Attends, corps et âme. Non, mais attends, on devait faire d'autres trucs là! En plus, je peux même pas tout péter autour de moi. C'est ça. Eh bien, merci. J'ai aimé cette interaction. On se retrouve ensemble dans la mêlée. Voir de quoi tu es capable. Oh! Mais je suis choquée! Regardez. Il y a un chaudron. Avec un chapeau. Les soldats morts, tout ça? C'est les losers? Eh, moi je veux pas que les losers me portent la poisse, hein. Oh, un pot! Un peu de guerrière sans éclat? Ah, c'est pas un pot? Guerrier Jar. Je me nomme Alexander Point d'Acier. De quoi? Allez, retourne te ranger à Limoges, toi, n'importe quoi. Pour un guerrier.
N'importe quoi. Ouais, j'y vais, allez. On se retrouve dans la mêlée. Ouais, il est beau ce jeu. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Salut Kayamix, merci. Encore, pas encore, attends. Dans quoi je me lance là? Je vais regretter, non? Est-ce peut-être pas le moment? Je peux faire une alliance avec l'autre pour buter, pour qu'on bute tout le monde à deux? Genre avec le boss. Je m'allie avec et je les aide et je les aide à buter. À buter les autres. Tu peux l'avoir cette armure? Laquelle? Ah, celle du chaudron? Merde, monsieur Noël de Noël, n'importe quoi. Noël de Monsieur Jack. Le fabuleux Noël de Monsieur Jack. Mais je connais pas, moi, j'ai même pas encore vu ce... Oh là là! Il a une tête en forme de chapeau. Vas-y, je tente. Le festival commence. Vas-y, vas-y. Et franchement, je chante. Queen Gueudin. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Attends. Oh, non! Oh, c'est celui qui a le petit cheval. Oh, ça m'énerve, faut que je le bute parce qu'il est trop méchant avec son cheval. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Comment ça, like a dog? Les dogs ils se bouffent pas entre eux, j'ai envie de te dire. Bon, Viradan, bon courage. Je suis pas prête, je m'y attendais pas du tout en vrai. J'ai lancé le truc un peu en mode YOLO. Je suis une. Voilà, je suis une. Dingue. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! Non, je vais pas monter des vagues, laisse-moi tranquille. Ah là là, doucement! Eh, ça va pas! Il est fou. On va déjà se faire éclater la tronche là, rajoute pas. Non, bah, ah, c'est là-bas. Ok. Ok, ok. Y'a pas de. Y'a pas de. Hein. J'ai combien moi? J'ai 17 000. Franchement, je peux level up, non? On va level up avant. Je peux aller ici? Ici, c'est en fait là. Ah oui, non, baby. Bah non. Euh... 26 000. Oh non, tant pis, on level up. C'est quoi l'épée que tu utilises? Attends, je vais te dire ça. C'est une épée de cristal. Plus 5, va falloir que j'augmente. Hein. Parce que moi, j'ai un perso full intel. Et que ça, bah, il y a de la magie avec. Et un bâton. Le bâton de la reine semi-humaine. Et je pense ultra surcoté, c'est pas grave. Ah, mais non, mais je peux pas partir! Ah, faut que j'aille là-bas. Ok, ok! J'ai impressionné. Pup tes peniels d'Elden Ring, pareil. À chaque fois que je joue, le fup tes peniels me. Ça me prend au trip, quoi. J'ai mis cette chaise. Mais non. C'est où Radagan? Selon. Là. Ouais, c'est sûr, c'est là. Ok. On peut ouvrir la porte. Ah.
Là où certains se couchent, d'autres partent bosser. Tout à fait. Petite astuce pour garder tes runes. Ouais, faut que j'équipe un bâton dans mes talismans, c'est ça? Ou c'est autre chose? Ou sinon, je la connais, faut pas mourir. Il paraît que ça marche bien. Du potentiel. Ah, j'avoue, j'ai pas du tout compris le mot. Est-ce que voilà, c'est ça que t'allais me dire, genre... Faut que je mette... Ah, que ça marche, ouais. Ouais, de pas mourir, c'est pas mal. Non, avec des fioles. Laisse-moi tranquille avec des fioles, mais... Mes fioles... Il fallait que je modifie mes fioles, en vrai. Oh, je suis tellement pas prête. Je vais quand même y aller. Un stream français? C'est français, en effet. Et c'est aussi un stream. Bonjour, El Barrera. C'est guillemets là. Pardon. Des bisous, Bloody. C'est bon officiel, courage. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Thanks! Je parle pas beaucoup. Ah, je parle beaucoup. Donc, désolé. J'articule très mal. Really? Really. Quand t'es un combat de boss, tu sens que tu vas mourir, tu peux juste quitter la partie, tu reprendras le jeu dans la chambre du boss avec tes runes. Ah ok. Ouais, non, je fais pas ça. Et en lançant deux pantoufles, mais ouf. Oh putain, là c'est la tatane qui est partie. Mais c'est affreux. J'essaye d'esquiver, j'y arrive pas, hein, je vous promets, j'essaye. Hein. Oui. Ah, il pré-shot comme un petit bâtard. J'invoque des gens. Je vais le faire. J'ai compris tard. Désolé, j'apprends le jeu. Faut que je mette mon fort, je pense. Allez, Limoges, fais des trucs. J'ai invoqué tout le monde. On n'est pas beaucoup, hein. Je me suis trompé de tout, je m'en veux. Je vais essayer. Voilà. Là, si tu veux des conseils, bah écoute. Voilà.
je m'approche doucement du midlife, on apprend. Effectivement. On va voir. C'est américaine. Ok. Bah bienvenue. Désolée pour mon français. Je parle très vite. Et c'est Tipa. Bienvenue dans la famille Trompage de Touche. Ok, it's ok. Je suis là maintenant. Oh, j'ai pas réussi. Je récupère mes runes, moi. Thank you, Albarera, for the follow. Thank you so much. And welcome. Ah! Où sont mes runes? Je sais pas où sont mes runes, je les vois pas. Je les ai vues nulle part. Je peux pouvoir les récupérer en fait. Me dites pas qu'elles étaient dehors. Oh, elle est là. Ok, let's go. J'ai raté. Guerrier genre a péri. C'est bien étonnant, dis donc. Ok. La jarre s'est fendue. Il est où? Il est où? Je vois pas. La plaine est trop grande. Ok. Oh merde! Pas le bon bâton. Tapez-le s'il vous plaît! Aidez-moi! Oh! Mais attendez, il y a d'autres invoques. Oh non, ces sorts-là, moi quand j'utilise, c'est tout bidon. Je vais chercher les invoques. Oh, let's go, j'ai pas peur. Voilà. Oh! Tout shot! Magie, c'est super fort. Mais oui! On met ma vie en question avec mon build dext. Ça dépend des mobs en fait. Par exemple, face à Rennala, j'ai galéré de fou parce que je faisais aucun dommage et c'est là que je me suis voir. Enfin, que j'ai été obligée de trouver une épée correcte parce que j'ai dû le faire tout le boss qu'à l'épée. Ça dépend. Une quoi? Une inoction par étendard? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Invocation par étendard. Ouais. Bah c'est là où il y a les étendards, ouais. Je les ai invoqués, oui c'est bon. Je m'en doutais. Bon ? Ah, ça brille encore. Allez, vas-y. Voilà. Oh, super, guerrier, genre. Non, pas de lag. Pire truc. Mes runes. On y va, on a les runes, on garde les runes. We keep the rune. Du coup, let's go.
Trop loin. Trop loin encore ? Non, il va me tirer sur ma gueule. Je suis dans la merde. Je mets trop de temps, ok. Non, pas ça. Attends de sort. Ça m'énerve, je me trompe de sort. Là je vais de la merde. Mais on progresse. J'avais péri, je pensais que le lanterne était mort. Les deux. Traduction approximative même pour nous. Ok. Arrête de me viser que moi. Il y a pas que moi. Il me vise que moi. Non, faut que j'arrête. Je peux pas annuler un sort. Je vais arrêter de faire ça comme ça. Je vais arrêter. Pour ce cheval. Mais oui, son pauvre cheval là. Il me donne trop mal. Trop de peine. Il me donne trop mal au dos. Terry est plus trop teasé. Oui. Terry is like an old world. Stay dead. J'avais oublié. Allez, courage, éclate-le. J'essaie de me couper quand je suis au boulot, bisous. Je promets rien. Obligé d'être connecté depuis le boulot. Oui, t'inquiète. Après, c'est qu'il est... C'est de la surveillance. Du coup, bah, tant qu'il se passe rien, t'ennuies, quoi. Si j'ai pas de bêtises. Mais ça marche, Bloody Rob. Zoubi. Sam Zoubi. Ignor Booty. Oh, du loot. On va looter, hein. Je peux gratter le nez, je peux plus looter. Where are my runes? Ah, elles sont vraiment sous ses pieds, quoi. Je les prends. Je les ai prises. C'est bon. Je me casse. Comme le genre. Voilà, là il me regarde forcément, du coup je me tire. Eh merde. Je suis trop loin, je suis nawak. Là, je touchais de trop loin. Merde, j'en ai pris deux. Et parfois, en fait, bah, le perso fait rien. Yep.
Ok. Faut que je les fasse rip-hop. Y'a rien. Ouais, prends une petite popo là. Prenez tous une petite popo. Allez, on est prêt pour les deuxième phase du combat. Je le tire. Je vous laisse faire. Vous êtes très doués. Vous êtes vraiment plus fort que moi. Mon cheval qui a pris. C'est moi qui ai pris. C'est nous deux qu'on a pris un peu quand même. C'est ça. Trop loin ? Non, c'est bon là. Non, mais sérieux, je... Bon, on avance. On, là, voilà, j'avais... J'avais clairement... voilà, clairement besoin de découvrir un petit peu le boss. Alors pas, madame. Non, je ça va, en vrai. En vrai, ça va, parce que je suis pas encore à 1000 essais. Encore dans la phase où je découvre le boss. Donc en vrai, ça va. I'm not crying. Don't worry. I'm too strong for that. Ah, je vais cry par contre si je lose mes... Ah d'accord. Ok, allez deux fois. Ça ? J'ai pas réussi à esquiver hein. Ok. C'est bon, là au pire je die, c'est pas grave. De toute façon là je suis trop mal parti, je pense que je vais même pas... Enfin si, je vais quand même le tenter mais... Je suis trop mal parti. Let's go. J'ai dit non. Non mais là j'avais trop mal commencé, je l'ai vu. Je l'ai vu. It's ok. Et que tu peux lui faire mal sinon, mais moi je ferai pas si mal. J'ai pas peur du rapprochement physique avec... Heureusement j'ai une épée qui fait aussi des dégâts d'intel, mais... Mais bah pour ce qui est des dégâts physiques, forcément ce sera pas ultra intéressant puisque bah j'ai rien en force quoi. J'ai rien en ce fort en fait. Voilà, c'est un meilleur début quand même. Non, pas de lag. Les lags. Marche mes invoques. Ah oui, c'est que ça met du temps. Je vais chercher mes runes. J'ai vu un mob se heal devant le boss. Trop calme. Trop calme. Faut que c'était Blade. Rien à battre. Y'en a qui n'ont pas le temps. Les lacs par contre, j'en ai trop marre.
Ah, il s'envole. Faut que je récupère mes... Faut que je refasse les invoques. Pas du tout comment j'ai fait ces trucs là. Plus dans du. Allez tapez-le s'il vous plaît, là je galère. Je tue à ses pieds. J'ai appuyé, voilà, ça marche pas. C'est pour ça que des fois j'appuie deux fois, parce que vraiment, je suis obligée plusieurs fois d'appuyer sur propos pour en prendre une, c'est pas rare. Mon cheval qui a tout pris. Loin, je vais détester. Invoquer quelqu'un là-bas, j'ai vu. J'ai pas vu. J'ai vu tout à l'heure, mais je le vois plus. Un peu triste. Là-bas. J'y vais. Ah. Ah si, peut-être. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il fait. Non, j'ai pris une pompe pour ça, je vois ça par contre. Parce que j'ai sauté. Sérieux, il lui reste un pouillon de vie, il s'envole. Allez, faites-lui, il lui reste que dalle. Lavez-lui le huc. Majeur, souvenir du fléau des astres. Oui. Merci beaucoup. Je sais que c'est ma unité de skill. La net parfois me... Je me gourre pas, ça fait juste pas l'action. Oui oui, des fois j'ai l'impression que les inputs superposés, et ben y a un souci avec, et notamment quand je suis à cheval. Merci beaucoup. Adam angoissant. Oui, il est un peu angoissant. Mais il est mort. Il a péri. Où ce bordel, mais grave! J'avais trop peur à la fin! De choke! D'être trop gourmande! Puis c'est bon là. Je suis heal. C'était fini. Merci beaucoup, bah ça va. Ça va, ça va. C'est vrai qu'à c'est distance, il se fait. C'est Lox la meilleure. Merde! Oh, ça on le savait. Regardez l'explosion! Ah, c'est stylé! GG, merci beaucoup!
Alors il a fait un truc et ça a explosé et maintenant je suis là. Toute seule. J'ai 87 000. Oh, j'aurais dû prendre à la fin. Oh, je m'en veux trop. À la fin, j'aurais dû prendre la pâte de poulet dorée. Mais oui, hey, je m'en veux trop. Regarde-moi. Bien, j'ai bien joué. Voilà. J'attendais. Très impressionné par ta façon de te battre. L'honneur du combat revient à toi et à Radahn. Oh, tu as vu ce qui s'est passé après? Cette étoile filante est tombée juste sous nos yeux. Jamais j'aurais pu imaginer que Radahn tenait... tenait quelque chose. Vraiment une légende vivante. Ouais, désormais ouverte. De quoi? C'est vous là où l'étoile filante a percuté la Terre. Retenez quelque chose aussi puissant, voilà. En réserve une fois de plus. Oui d'accord. Talk to the wolf. Non, je veux pas y retourner. Il y a peut-être des trucs à fouiller dans la zone. Oh, il y a machin genre. Salut genre. Le chevalier Limoges. Merci en tout cas. Clairement c'est pire sur Torrent. Oui. En fait tout se met en pause et ça débloque et accélère. Un input lag. Permettre ou je ne sais pas quoi. Je sais pas, je pense que... Vu qu'on appuie... En fait j'ai l'impression que c'est quand je cours avec... Ouais je pète tout. Ou je casse... En fait là je fais juste ça. C'est ma mission. J'ai l'impression... Quand on est avec Torrent, du coup on court, et le fait qu'on court ça fait un input en plus. Mais pas quand on est dans le jeu normal où on va pas faire un truc en même temps qu'on esquive. Et du coup bah si tu veux faire un truc en même temps, j'ai l'impression que ça fait trop d'input en même temps pour le jeu. J'ai voilà. Wolfman. J'aurais dû craquer une patte. En même temps c'était un peu chaud d'y penser. Ouais c'est ça. Mais je me suis toujours... Enfin je me suis dit ça la dernière fois, je me suis dit bah faudrait que j'y pense. Oh, un bateau. Faut que j'y pense, la prochaine fois que je fais un boss, il y aura peut-être moyen que je le place avant la fin. Et là j'aurais largement pu. Parce qu'il lui restait 2 coups, 3 max. Et j'étais full vie. Et il y avait en plus de quoi l'occuper. Ah j'aurais dû. Franchement j'aurais dû. Bonsoir, bonsoir. C'est Rhaegar Targaryen. Ça, Rhaegar Targaryen. Entre dans ma narine, c'est bien cocasse ça. Bonsoir à toi. Oh, je veux trop y aller, mais on peut pas. Je veux y aller. On peut ou on peut pas? J'avais oublié que ça pouvait être si proche. Je regardais au loin. Bon, j'aurais pu récupérer mes runes, ça aurait pas été très grave, mais bon. Restaurant? Quelle couleur de cheveux? C'est gentil! C'est rouge. Je suis bizarre. Non mais c'est très gentil parce que ça prend un petit peu de temps à entretenir. Alors merci. Bon. Par contre, je vais utiliser mes runes quand même. Ne faisons pas les fifous. Ne soyons pas trop gueudins. Et allons utiliser nos runes. Mais, je les mets dans quoi? Je sais pas. J'ai vraiment du mal à... Enfin, voilà, moi c'est full intel. Je vais en mettre un en intel, je pense, mais le reste. Je pense que c'est très rapide. Je parle très vite. c'est surtout moi. Et encore là, j'essaye de parler lentement. I'm talking very fast, sorry. Alors, attendez. Oh, j'aurais tellement dû claquer cette pâte de poulet doré. Dommage, tout à fait. Je suis assez full astrologue, c'est juste que je me suis rendu compte qu'il fallait pas être full intel pour plein de raisons. Tout le monde parle très vite dans sa langue maternelle. Ouais, ouais. Bah après, il y a parlé vite et il y a pas articulé. Moi, j'articule pas très bien et je parle vite. Mais je crois qu'en...
Voilà, ça se mesure en fait, le nombre de syllabes à la minute, à la seconde. J'adore la couleur rouge. Bah moi à la base, pas tant que ça en plus. Franchement, pas tant que ça. Et puis bah, c'est venu naturellement. La couleur est venue à moi. Mais c'est vrai que oui, dans sa langue maternelle, on parle vite. J'ai l'habitude. Ok. En 3 level, mine de rien. Oui, hein! J'en mettrai en Intel. Pour passer enfin 40. Je pense que ça va pas me débloquer. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci, regarde Targaryen. Merci beaucoup. Tu joues aussi Elden Ring, tu joues à quoi? Tu joues aussi à Elden Ring, virgule. À quoi joues-tu? Quel perso? Endu, ça pourrait être bien. Vigueur, on m'a dit que j'avais R, donc ce serait bien aussi. Et il y a un truc aussi. C'est que j'ai... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez ce que j'ai pécho. Ça me donne envie, en fait, de l'équiper un de ces quatre. Inventaire. J'ai plus laquelle c'est. Un swag. Épée de la nuit ardente. Voilà, c'est ça. Yeah. Je vais vous montrer. Mais non, je pourrais pas, faut que j'aille le tab et le j'aime pas. Bref. Yeah. Ici. Il y a dégâts physiques, dégâts magiques, dégâts de feu. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un moins, par contre. 36.22. Nul. Mais, il faut que j'ai de la foi pour pouvoir la manier. Et en plus, je crois qu'il y a un truc. Vous saisissez votre épée, la posture Noctflamme. Vous saisissez votre épée et préparez à lancer une sorcellerie. Exécuter une attaque normale pour projeter une comète nocturne. Ou une attaque puissante de renvoyer des flammes dans un arc de cercle. Enfin bref, même l'attaque de base, quand on l'a dans les deux mains, c'est... J'ai pas le son derrière le follow. Ça vient du film Albert à l'Ouest. Et en anglais, c'est A Million Way to Die in the West. Et c'est un film de cette morphalane qui me fait rire. Incroyable, mais que je trouvais assez drôle. Et ça vient de là. Et du coup, voilà. Elle est assez puissante. Mince. On va comparer. Bon, alors, c'est pas terrible. Mais aussi, faut savoir que je suis en plus 5 avec celle-là. Et là, je la mets en plus 5. Je pense que ça... À part les dégâts physiques, ça dépasse. Les dégâts magiques pas trop, mais il y a des dégâts de feu. Enfin, je crois qu'elle est trop bien cette épée en vrai. Donc j'hésite à mettre... Yvel à l'ouest. Yvel, pourquoi Yvel? N'hésitez pas à consulter si ça vous arrive comme dans l'alerte. Exactement. Vraiment, elle était nerf. Ah ouais? Mais c'était la meilleure épée du jeu. Ah, d'accord. Celle que j'ai eu avant-hier, là. Oui, je joue Elden Ring. Je joue saignement, bah ouais. Avant de m'ennuyer. Et là, je suis sur un build hybride. Guerrier mage. Intel Dex. Avec éclipse lunaire. Eldastel. Ah, ça, je crois pas que je connais. Espadon lune obscure. Lance de Loretta. Je vois certains de tout, mais ouais, j'ai pas... Pas tout. Mais je vois certains. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup du coup de mettre dans la foi, sachant que tu level 7, ah, ça vaut pas le coup. En vrai, ça vaut pas le coup. Je vais devoir. Bon, je pense que ça vaut pas le coup. Plus que level 7, quoi. Je vais remettre combien? 17 niveaux? C'est beaucoup trop. C'est too much en fait. C'est beaucoup trop too much. Bon, j'en ai marre de cette armure, j'en veux une jolie. J'aurais peut-être plus de swag avec celle-là. Franchement, c'est kiff-kiff.
Bon, je sais pas. Très très bonne arme, la nuit ardente. Elle a portée d'attaque vachement courte. Comment vous pensez à respect? Je sais pas où et comment on peut le faire. C'est pas avec Rena là? C'est pas ça qui permet de respect? Besoin de te investir dessus, tu trouveras des équipements qui feront monter ta foi dans le jeu. Ah d'accord. Ok, bah, je vais peut-être laisser pour le moment alors. Je vais monter... Alors, du coup c'est esprit, vigueur ou endurance. Petit spoil. Écoute, j'ai mis Paxi autorisé, c'est pour avoir un petit peu des idées aussi parce que bah moi je... Voilà. J'ai toujours très peur de regretter certains choix. Hey Dodo, je fais des gros pipis. On l'avait parfait. Et toi aussi, tu es parfait. Merci. Merci. Ça c'est un viewer parfait. Merci MacIver, c'est très très gentil. À demain des zoubis. Qu'est-ce qu'on fera demain? Normalement on fait autre chose qu'Alden Ring. Bien que je fasse du... que j'avance Kirby. Vas-y, direct, t'as 20 en vigueur. Oui, j'avoue. Allez, vas-y. Non mais t'as raison. J'hésitais, tu m'as convaincu. Dégâts, t'en fais pas mal déjà. Ça va. Écoute, moi je suis 20 en intel, je pourrais essayer de voir un petit peu plus l'endu et l'esprit pour la prochaine fois, tu as raison. Est-ce que là-bas il y a des trucs? Je pense que oui. Donc on va y aller. C'est quand même une grande zone. Tout niqué. Par contre, je ne la conseille pas à ton niveau. C'est plus pour un peu plus tard. Ok, demande beaucoup de points dans pas mal de stats, mais c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je commence à investir dedans, mais que du coup, je progresse plus finalement. Ça m'embête. Il se la grande épée. Plus tard, later. More later. Not today. Not today. Est-ce que je peux monter là? Parce que bon, on dirait hein, que c'est fait pour un peu. Mais pas du tout en fait. Là. C'est une zone de boss, mais bon, il y a peut-être plein de trucs. Hein. Et peut-être que dalle aussi. Bon, je fais une immense désert. Une immense plaine désertique où il fait nuit tout le temps. Avec rien. Pas beaucoup d'endroits où il n'y a rien dans le jeu en vrai. Peut-être laisser celui-là en disant oh, c'est bon, il y a un boss, ça suffit. C'est possible, hein. Quand même faire le tour. On recommence le jeu. Mec, il va être ban, non? En vrai, c'est. Oh! Eh! En vrai, c'est plus si pour que je recommence si je le termine déjà une première fois. Mais bon, il y a déjà tellement à faire. Avec une seule partie. Je vais pas faire une Samuel Sam, moi. On est tellement grand. Sur un niveau 100 avant de dire ouf. Mais c'est... franchement, ouais, hein. Il y a trop de trucs. Et j'explore pas bien. J'explore, mais j'explore pas bien. Ah, je connais cette topologie. Le catacombe. Je connais. Ça se fight là-bas, dis-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, qu'est-ce que c'est ça? Franchement, je suis trop pas là. Je suis giga pas présente. Les lags, arrêtez les lags. Tous ceux qui jouent sur PC, vous avez ça aussi, hein. C'est freeze affreux. J'ai une bonne config, hein. Et ça me le fait hors live. Avant, je pensais que c'était que en live, non. Le nom du cheval, Torrent, oui. Torrent. Torrent. Non, mais il y a deux. Franchement, en fait, il me calcule. Ah, pas un nom. Toi, tu te fais marave, toi. Désolé. Je suis pas là. Y'en a un qui m'a vu. Là qui m'a vu. Pourtant j'étais tellement discrète. Je sais pas comment il a fait pour.
envie de descendre tout de suite. Hein. Petite lanterne. Hop, petite esquive. Et j'ai pareil que toi, mais je vais pas utiliser parce que... Ah ! Oh, waouh ! Le vache ! Mais... Pourquoi tu fais comme si de rien n'était ? Mais je vais te latter ? Comme un café ? Je fais rien du tout. La grotte est plus dure que le boss, hein. Ça va être beaucoup trop dur. Attends. Avec une flèche normale, il m'éclate tellement. La vache, cette grotte, mais quel enfer! Ça me le fait aussi. Elden Lord. Lord. J'aime beaucoup cette idée. C'est trop le bro, Torrent. Ah! Je déteste. Mais c'est beaucoup trop dur. Mais je vais pas du tout assez de dommages. Ou alors c'est parce que c'est pas des dommages magiques qu'il leur faut. Je pense que c'est ça. Les fantômes, c'est peut-être des trucs de foi ou... autre. Ne péris pas. Trop mignon. So cute. Non, ne péris pas. Mais... Faut pas périr. Après, on meurt. Talk too soon, yes. Je suis pas là, je suis pas là. Bon. Elle est très très dure, cette grotte. Bon. Bah là, je suis tombée. Mène-toi. Toi. Effondrement, c'est à l'air. Il faudrait que j'aille en bas aussi, mais on va récupérer les runes là-haut. Et on va voir. Là, j'ai pas de plan. Là, j'ai pas du tout de plan. Beaucoup d'incertitudes. Dégâts sacrés, mais oui, voilà, je fais pas de dégâts sacrés, je fais zéro dégâts sacrés. Bon bah les runes, tant pis. On avait que 12 000. Au moins j'ai moins la pression. Est-ce que, petite question... Il y a quand même du backseat, mais bon, voilà, comme je dis, je l'autorise. De toute façon. Est-ce qu'il ripop une fois mort? C'est une information qu'elle est importante. Non, 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 laissez-moi! Je déteste. Elle est 1000 à chaque fois. C'est l'équivalent d'un troll. Enfin des gros géants plutôt. Mignon, cute. Arrête. C'est mignon. Ne péris pas. That's cute.
It's ok. Oh mais je vais les récupérer vite, Merwin. Les archers qui vont m'emmerder plus en fait. En bas, on va attendre qu'ils se nettoient entre eux. Ah, bonjour. Ah, je le vise pas. Ouais. Ça va être à l'épée, hein. No choice. Je vais aller là. Ah oui, c'est vrai. Putain, horrible! Je peux pas! Je vois pas comment l'esquiver. J'ai pris 0 dégâts, ça me fait toute ma vie. Mais comment pour passer, quoi? Je veux dire, le boss me one-shotait pas. Là, une flèche me one-shot. Même une normale, elle me met à un pouillème de vie. Perso, si je suis pas l'ennemi en 4 coups maximum, je passe mon chemin, j'en vais après. Je vais retenter quand même un peu, j'ai envie de l'explorer. Au pire, je loot pas tout, mais j'explore. Mais là-haut, je vois pas comment faire. Hein. Hein ? Ah oui, c'est vrai que j'ai des stacks négatives avec mon casque. J'ai oublié ça. On va reprendre ça. C'est vrai que j'avais oublié. Mon copain qui me le dit. Bon. Is ok. Oui, mais voilà, merci. Merci, regarde. Erreur, je me déteste. Oui, c'est vrai. Mais j'avais des points de swag avec aussi quand même, un petit peu. Si je passe là. En fait, je rentre. Je repars. Non ? Bah si. Je perds un petit peu le sens de l'orientation. J'essaye, mais là, bon, je peux pas. Encore combien de temps je vais le tenter, mais là j'avoue que je vais essayer de récupérer mes runes. Ah, ça m'énerve, ça me frustre de fou de prendre aussi cher, même en ayant changé mon superbe casque. Voilà. Mais là, effectivement, je prends trop cher. Quand même, regardez ce qu'il y a ici. Il y a ça, évidemment. Avec une porte à ouvrir. Bon. Y a beaucoup de choses à faire, mais là, c'est pas possible. Hein. Mais 5 mètres de plus, quand même. Je suis même pas sûr d'avoir fait autant. Ouais, c'est un bon spot de farm. Hein. Bah, ils s'entretuent. Et du coup, ils perdent de la vie entre eux, quoi. Et ils sont super nombreux. Et ils rapportent 1000. Ça pas bien visé, là. Un peu ridicule. Moi je défends le grand. Allez le grand, c'est un style, c'est un truc, un swag. Ah, c'était pour toi. Tiens voilà, latte-le. En fait, je suis plus pour lui.
Vous vous faites vraiment pas mal. Moi, je vous fais pas mal, mais vous, entre vous, vous êtes vraiment petits joueurs. Ah ouais, j'avoue, je fais que dalle. Ouais, je me mêle un peu de ce qui me regarde pas des os. Je vais voir comment ça rapporte et s'ils peuvent goûter des trucs. J'ai beau les taper, ils sont dans leur truc, hein. Ah, ils me tapent tous les deux maintenant. Oh, arrêtez! On peut contre vous là. Merci. Va trop die, mec. J'attends. Allez, vas-y, là. Il a plus qu'un coup, là. Non, pas un coup de boubou, enfin, mec. Saoulé. C'est vraiment nul. Ah là, par contre, quand t'es contre moi, hein, là tu fais des feintes et tout. Contre lui, tu savais pas, mec. T'es quand même mauvais. Tu peux être morte, t'étais mauvais. Je vais récupérer, c'est juste pour avoir un peu de runes, c'est tout. Ah là là, ouais, cette zone, je vais pas pouvoir. Je vais la marquer avec une tête de mort. Et on y retournera plus tard. En deux cas par mec, mais oui, hein. C'est vraiment un endroit de farm super intéressant. Repair. Je vais mettre juste au-dessus. Voilà. Et oui, c'est ça, hein. C'est vraiment un très bon spot de farm, je pense. Enfin, en tout cas, à ce niveau-là. Mais il faut pouvoir les tuer, parce que sinon c'est trop lent. On peut pas faire d'invoque. C'est juste le grand, tout à fait. Grand battle, tout à fait. On dit bataille en français, mais on dit pas beaucoup bataille en fait. Ah ouais, on repose pas au bout de 20 minutes. Ah d'accord. Le Crystal FK toute la nuit au même endroit. Ah ouais, moi j'avoue. Elden Lord. Bon. Bah, c'est bon à savoir. Il y a un truc ici. J'ai pas fouillé pour rien. Je connais deux des spots de farm. C'est pas attractif quoi. Là, c'est full AFK. Ouais. Bah je pense que voilà, j'imagine j'en connais d'autres, mais qui rapportent autant par mob, non. Pour le moment. C'est-à-dire avec beaucoup de mobs qui rapportent 2000, non. Mais il y a quelques spots. Moi je farme pas. J'ai fait au tout début avec les géants. Les titans là, ou je sais pas quoi. Non pas les titans, non les trolls quoi, les sortes de gros trucs. Ça je l'ai fait, il y avait un spot où je pouvais en faire un et je l'avais fait un petit peu. Mais ça me permettait aussi de... Ça m'a toujours servi de repère, ce géant là. À savoir combien de temps je vais à le tuer pour évaluer mes améliorations. Je vais aller là-bas pour voir quand même s'il y a un truc. Une excellente prononciation. Pas terrible. Mais j'essaye pour toi. Il y en a pas mal du tout. Alors, on dit Célide ou Kaylide? Célide, j'aime bien. Mais Célide, c'est... Ça fait un peu prénom. On prend presque 4-4 toutes les 1 minute. Mais faut courir non-stop.
et claquer des pattes de poulet. D'accord, faut déjà farmer les pattes. Moi j'en ai deux ou trois, des dorés. Tester, je me fais buter par des yinches T-Rex. On tentera plus tard. Ah ouais, mais ils donnent 1000 hein, les T-Rex. Ah, peut-être qu'il y en a qui donnent 2000. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, ils donnaient 1000. 1005, mais pas 2000. Après, c'est vrai que s'ils sont 15, bon bah c'est. Bonsoir Grid. Vous êtes catagon, on va donner des cauchemars. Ça m'intrigue. Non, mais je vais y retourner, t'inquiète pas. Hein. J'y retournerai en live, comme ça on le fera. Mais bon, y'a rien ici. Mais là, je dois avouer que c'était trop pour moi. Un million par heure. Ah ouais, carrément. Voilà, c'est trop, enfin. Bah, je trouve que ça, voilà, le fait de pas farmer aussi, ça te pousse à prendre des risques, ça pousse peut-être plus à l'exploration, ça. Bah, j'ai l'impression que ça te pousse à plein de trucs. Non. Je voulais le prendre, mais... Ah, mais je suis revenue là. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah, bah super. Ah oui, d'accord, ça TP ici, j'avais même pas fait gaffe. Je m'étais même pas rendu compte que le portail m'avait juste TP à côté. Et après, j'avais été TP là-bas. Je fais attention à rien du tout. Non, en moins de 30 minutes. Un ratan en moins de 30 minutes, tu peux être fier de toi. Merci, c'est très gentil. Mais c'est grâce à... C'est grâce au chevalier Limoges, là. Il a tout cassé. Je vais repartir au lit. Mais moi aussi, en vrai. Moi aussi, je vais devoir vous laisser. Faut que je me couche un peu plus tôt parce que demain je dois me coucher plus tôt aussi. Tête de loup, totally. Mais j'aime beaucoup aussi ma petite tête de coléoptère. Après, faut que je me trouve un casque mieux. Je vais garder celle-là pour le moment. On va garder cette tête-là. Et puis on va quitter. Tu as 61 heures de jeu. C'est beaucoup. Désolée, j'aurais dû changer. C'est vrai que le flash blanc dans vos tronches, c'est terrible. C'est pas l'amusement. Bon. Ça sert aussi d'oseille dans le jeu. Oui, oui, bah oui. C'est vrai que j'ai pas, à part acheter des clés ou certains sorts et un bâton, j'ai pas acheté grand chose. Des plans, des trucs comme ça, mais... Faudrait que je teste. En fait, les équipements, typiquement... Eh ben, je sais jamais si c'est bien, parce que là, il n'y a pas vraiment de comparaison avec ton propre équipement. Donc je prends pas les équipements. Je devrais. Pour tester. Déjà, t'as décidé que j'irai à mon rendez-vous sans me laver. Et on a 30 minutes de sommeil. Ça, c'est une technique que j'aime bien. Ah mince! Toujours sur en VOD. Au revoir VOD, bisous. Bye bye. C'était Radan. Oui, c'est ça. Radan. C'est Radan.